Bonjour à tous et à toutes, c'est Tix Rider pour une nouvelle vidéo. Salut. Avec Anthony, voilà. Aujourd'hui, premier parc de la saison d'Halloween. Ouais. Ça fait plaisir. Un parc qu'on n'a jamais fait pour Halloween. Les gars, tu vois, regarde. T'as toutes les messes qui sont indiquées par où c'est déjà. Ah oui, ça c'est bien, ouais. Ça c'est beau. Bon, pour les on-ride, j'étais déjà venu il y a quelques temps. Je les ai fait en cachette. Bon, là, je vais pas prendre le risque parce que. Il y a plus de sécurité, hein, donc on va éviter, je vous mettrai les on-ride que j'ai fait la dernière fois, ça revient au même, ouais, en tous les cas. Et pour les petites mésentées, j'ai pas le droit de filmer, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une surprise, vous entendrez quand même nos voix, mais en meilleure qualité, parce qu'avant je mettais la GoPro dans la poche et c'était pas ouf du tout, on se dit rien du tout, on va pas se mentir. Sauf que là j'ai acheté quoi? Des micro-cravates, un pour moi, un pour lui. Et là, on entendrait bien nos voix, bien nos cris, tout ça. Et. Ah, il répare quelque chose. Une belle petite place ici. Donc, on est là jusque 23h. Avec un total de 8 maisons hantées. C'est juste. Au top. Bon. Du coup, pour aller à Haunted, parce qu'on va commencer par Haunted. Toi, c'est la première fois que tu viens ici, hein? Ouais, du coup, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Moi, je connais un petit peu. Même si des fois j'ai tendance à me perdre dans le parc, ça arrive. Ouais, bah ça arrive. Ça... Ouais. Mais un truc que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on commence à indiquer, mais ça c'est là-bas, ça c'est là-bas, ça c'est là-bas. Ça c'est bien, ouais. Ça c'est bien. En vrai, t'es pas là, être perdu. Non, t'es pas là, être perdu, c'est bien ça. Bon, bah allez, on va aller direction Haunted, parce qu'il y en a plein qui vont là-bas. C'est là-bas qu'on va aller. Oh, ça par contre, c'est très beau. Ouais. Bah moi c'est là-bas que je veux, tout le monde va là-bas, bah moi je suis là-bas. Voilà. Regardez dans une zone exotique. Il y a du bambou. Pardon. Je suis en train de péter un plomb, ça y est. J'entends un bruit de. D'RMC au loin. Ça, ça veut dire. Lui il a la trick comme Patrick. Et il y a un top spin devant nous. Ah oui. Ouais. Je savais pas qu'il y avait Fireki. Et bah maintenant tu sais qu'il y a un top spin ici. Non, je sais, ouais. Ah non, tu dormirais moins con ce soir. Exactement, tu dormiras moins con ce soir. C'est bon. Allez. Allons à une time faire un petit ride. Voilà. C'est fait, c'est ridé. Je crois qu'Anthony il a kiffé, hein. Ouais, j'ai kiffé, ouais, t'arrêtes pas de te prendre des airtime, quoi. Oui, c'est en fait celui-là, je trouve que c'est RMC là. Ouais. Il est plus concentré sur les airtime qu'autre chose, ouais, tu vois. Ouais. Il est pas haut, certes, mais. Bon, ridé, quoi, j'arrêtais pas de faire bing. Bing. Et tu vois l'anti-rollback, tu sens qu'il claque contre le siège, tu vois tellement les attaques du wall. Oui. Et la VS, j'étais pas prêt en fait, j'avais pas vu, quoi. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai rien dit. Ouais, ah oui, ouais. C'est pour ça que j'ai rien dit. Genre là, putain, j'avais pas vu. Non, mais. Ça fait plaisir de le retrouver, ça fait un moment que je l'ai pas fait en plus celui-là, alors. Et moi, c'est la première fois. Ça va une première, tu vois. Ouais. J'avais dit un connerie, mais je me tais. Je pense à la même quand je pense. En fait, je peux pas vous le dire parce que c'est un peu personnel. Ouais. Mais il est toujours plus quand je gueule. Tu comprends mon âge. Non, je vais mettre un gros bip sonore, t'inquiète pas. Ouais. Bon. Là maintenant on va vers Lost Gravity. En fait je me rends compte que je connais le parc tout seul, en fait je sais m'y aller. Parce que Lost Gravity est là-bas derrière. Okay. Donc on va aller faire Lost Gravity. Je sais pas combien de temps il y a d'attente, je sais pas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir masse monde pour l'instant. Ne parlons pas trop vite. Hein, parce que ça ferme à 23h aujourd'hui. Ouais. N'oublie pas. Oui, ça ferme jusqu'à 23h. Ils vont peut-être arriver vers midi, tranquille et tout. Quoi. Voilà. Bon allez, je coupe. Ah, il faudra qu'on aille chercher notre trip pass aussi après quand même. Ça on l'a pas encore pris le rite pass. On va le chercher après, on a le temps. Bon, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît, je suis en train de vlogger, merci. Il y a un top spin là, regarde. Le petit top spin blast. Ah bah reste là, regardez le premier tombe. Thank you.
Mais what the fuck? Ok. Autant pour moi. Bon allez, on va aller voir Lost Gravity maintenant. Bon, on va aller faire ça, nickel. Tranquillou. Tranquillou, bilou. Oh, honnêtement, Anthony. Ouais. Premier parc de la saison pour Halloween, t'en penses quoi? Franchement, déjà, il me plaît. Déjà, bah, il a pas tout vu en quoi, il a pas vu gueuler la chapelle. La première partie, ça me plaît. Enfin, ça me plaît, j'ai pas encore fait, mais. Oui, mais ça. Ça va faire zizir, comme tu dis. Ouais, voilà, ouais. Et Goliath, ouais. Il m'attire aussi pas mal. Donc, Goliath, il est bon. Voilà. Et en même temps, je fais du repérage pour les mages pour essayer de savoir comment passer par toi. Ouais. Parce que ça, tout est un petit peu séparé. Mais bon, c'est pas dérangeant pour autant, quoi. Faut juste savoir s'organiser et. Voilà. Regardez-moi ça. S'il te plaît. Je tourne la GoPro. Là, il va y avoir un train qui va passer. Et sûrement, ça va être un rail de train. Il est où le train? Ah, il est là. Il est vraiment où? Allez, direction Lost Gravity. Ah, il y a Fire Pit qu'on ira après aussi. Ça, c'est l'endroit où tu as 2 maisons hantées. Bon. Alors. Je sais pas combien de temps il y a là-bas, alors on verra bien, on y va. T'as une file single rider qui existe là-dedans. Ok. Bon allez, direction Lost Gravity. Ah bah oui. Là, les petits décors à l'envers. Je trouve ça sympa. Tout est à l'envers. T'as vu même ça, c'est marrant. Moi j'aime bien, c'est. C'est drôle. Ah, la route elle est là, stop. Oh, ça va encore le monde, il n'y a pas grand monde là. Simple et efficace, effectivement, Tony. Oh, je passe pas au-dessus. Hein. Par contre, cet élément là, il fait bizarre. Ouais, c'est vrai que. Mais il est bien. Oui. Ok. Bon, Lost Gravity s'est fait. Bon, il vibre, hein, on va pas se mentir. Hein, on va pas se mentir. Après, il... ça va. C'est un peu. Bien, Ouais. Et pas juste tout même. Déplace à chaque fois, c'est. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, en plus, c'était tout devant. Ouais. La petite drop là, petite, mais elle tourne en même temps. Et en vrai, regardez. Vous voulez un petit angle d'ici, regardez, vous allez voir, vu comme ça. Hop, non, en plus, il y a un train qui est là. Normalement, on n'a pas le droit, mais.
il est parti. Anthony ? Ouais. Le train est parti, le train. Bah ouais. Le train est parti. Et il y a encore un train. En fait, il y a deux trains à chaque fois sur le parcours quand tu regardes. Ouais, c'est tout un train, ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah oui, ça passe, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, ouais. Voilà. Écoutez, maintenant, je sais pas ce que nous allons faire. Hein. On va peut-être aller voir au niveau de l'entrée pour les rip pass. Ouais. Hein ? Ça serait intéressant de la récupérer. Ouais, bah oui. Comme ça, après, on peut faire ce qu'on veut un peu. Ouais. Et ensuite, on va. Je sais pas, vers Express, Gol. Bah, totalement à Express, comme on sera à côté. Ouais. Ouais, bah oui. Express, ouais. Goliath. Ouais, la souffrance aussi, Al Condor. Hein. Ah oui, la oui. Souffrance. Oui. La souffrance. Il y aura aussi le petit boomerang après. Bon, on verra, wow. Tranquille. Allez, je coupe ici, deux petites secondes. Et il faut savoir ici, c'est qu'il y a plusieurs Scar Zones pour Halloween, dont une dans la zone des enfants, qu'après c'est plus vraiment pour les enfants le soir. Hein. Ah bah Wicked Wood, c'est là-bas. Ah bah ok. On a trouvé Wicked Wood ici. D'accord, ok. On verra bien après ce que ça va donner. Et du coup je disais que bon on trouve des mails sur la route. Voilà. Ben oui, la zone des enfants devient une scar zone après. Je trouve ça drôle. C'est vrai que ouais. Tu fais un tour de petit train ? Non, c'est vrai. Donc on s'embarque Anthony encore. Alors, allez. Anthony ? Toi tu vas là, moi je vais faire tout le petit train ici. Tu vas tout droit ? Vas-y, vas-y. Oh mon dieu. Fasten your seatbelt, please. Ah bah y'a pas de ceinture. No seatbelt. You fell for it, huh? Oh shit. Ready? Yes. Chouchou. Chouchou du petit train. Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Alors, c'est quoi le bouton? Le pauvre, il avait personne. On s'est fait accaparer dans le petit train. Bon bah écoute, Anthony, ouais. C'est moi qui pilote. Bon, Chouchou ouais, le petit train. On va pas arriver. Attends, je suis en train de mourir. J'ai appuyé sur le bouton rouge, ça va pas. Anthony, j'ai peur. Chouchou, bah ça marche pas. Il y a vraiment nous bordel à la con. À Plopsaland on fait quoi? On fait des trucs pour enfants. On est ici, on peut pas s'empêcher de faire un truc pour gosse. On ne change pas les petites habitudes ici hein. Et en vrai c'est bien décoré mine de rien, regarde. Chouchou. Anthony? Ouais. On dit quoi quand t'es dans un train? Hein? On fait quoi quand t'es dans un train? Ouais, Chouchou le petit train. Qu'est-ce que tu retiens du ride? Intense, comme il a dit. Intense, c'est effrayant. Regarde. Je suis pas là, je me cache. J'ai peur. Cache-toi, t'es pas beau. Cache-toi, t'es noir. Oh shit. J'ai des sueurs. Je suis en sueur, les gens, ça va plus là. C'est trop intense pour moi. Je veux sortir. À l'aide. À l'aide. C'est super intense. C'est-à-dire longtemps en plus je prends cette merde. Ah bah voilà on arrive en gare. Yeah. Ouh. Intense hein. Yes. Oh, yeah. The best attraction. Okay, because you survived you get some free ecstasy. Oh. Hey, enjoy the rest of the day. Bye bye. Bah j'aime bien ça, je préfère des... Bien sûr c'est agréable ouais. Ouais bah ouais t'as envie de délirer avec eux à ce moment-là. Bah, oui. Oh, j'aime beaucoup les décos là. C'est vrai que, c'est beau. Tu sais ça, faut se méfier de ça, Anthony. Je pense que ça doit être rachet de l'eau. Non, c'est pas ça, c'est que des acteurs qui viennent là. Allez. Mais regarde. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est ils passent à travers. Ouais, ouais. Bon. On va aller par là-bas. Bah, ouais, continue. Pourquoi il y a un câble et deux rideaux comme ça? À mon avis, ça pue ça. Ouais. Regarde-moi, c'est lire toi. À mon avis, c'est un truc, un acteur qui va se balader en haut, tu vois, je le sens. Ouais, c'est bien décoré, hein. Ouais. J'ai fini là, c'est de voir de nuit, quoi. Ouais. Ah oui, il y a un Magic là-bas. Ah oh, putain, ouais. Et attention, je suis sur la coupe en 3, 2, 1.
Derrière toi, comment ça vient? Nightmares. Ok. Ah, ouais. Oui, oui. Eh, on fait du bruit quand même le. On entend les sons quand même. Ouais. Et jouer avec les nacelles hein, ce programme hein. Ouais, quand même. C'est sympa. Bon allez, je coupe là, je sais pas, on va continuer nos... Allez. On sort de Speed of Sound. Alors, on dit merci une ou autre, hein, clairement, ouais. Parce que... C'est vrai, au moins, on se colle pas la tête dans les arnais. Parce que dans le Cobra Roll, ouais, c'est vrai que ça se coupe pas mal, ça vibre. Ça vibre. Par contre, avoir la musique à bord... Ça, c'est top. En plus, avec des basses... Ouais, et la musique, elle me plaît, quoi. C'est une bonne musique électro. C'est une bonne musique électro. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais... Bah, je mettrai un cours extrait si je le trouve. Ouais. Normalement, un petit cours extrait, parce que sinon, après, je vais faire... Ouais, sinon, ça Strike. Ouais. Eh, la fontaine interactive. Cette fontaine, fais gaffe, parce que quand tu lui parles, des fois elle peut t'arroser. Ah ouais, d'accord, ouais. Regarde. Elle t'arrose. Elle t'arrose, regarde-moi ça. Et là, vous avez... Eh, c'est pas loin quand même, cette merde. Regarde, il pète un câble. Calme-toi, hein, ça va aller, Johnny. Hein. C'est original. Ouais, il y a plein de trucs, plein de trucs dans ce parc qui sont vraiment spéciales, voilà quoi. C'est original, j'aime beaucoup. Ouais. Il va faire un gros chez toi. Ouais. Et maintenant il parle calmement, maintenant, bon, maintenant ouais. En gros c'est je te bouille et après je ferme ta gueule. Voilà. Allez, on retourne vers l'entrée là. Bah c'est bon, on a fait le tour. À part Goliath, c'est le condor que t'as pas encore vu et la zone de Villains encore. Ouais, ça va. On va aller à l'entrée là-bas pour voir pour le rip-pass par contre là, vraiment, ouais, comme on est à côté. Ouais. Vu qu'on est à côté, autant dire. Ouais, et il y a une petite file d'attente, du coup on va aller attendre pour ça. Ouais. C'est important. Oh, Anthony il découvre la file d'express. Et je parlais que c'est forme de Dark Ride un peu. C'est stylé hein. Ta cache. Hey. Lui il pète un câble, fais gaffe. Hein. Oh, ouais. Là, t'as pas ça. Là, faut avancer tout droit, Philippe, tu vois. Et on arrive au bout de la file. Okay, ouais.
sort de Express. Voilà. Alors la petite surprise que j'ai, les petits fils d'attente thématisés. Ouais, franchement c'est bien foutu, ouais. Et même quand t'entends le train et tout, c'est vraiment spécial, hein. Et tout, quoi. C'est... Ouais, c'est un univers à part et... Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. C'est thématisé, bon bah jusqu'au bout non plus. Je veux dire, au début dans la file, une petite partie sur la fin du parcours, mais c'est tout, quoi. Ouais. C'est déjà pas mal, quoi. Bon, voilà, maintenant il nous reste Goliath à faire. El Condor, la souffrance. Ah. Et après, bah. J'avais fait El Condor, mais quelques... vu ce qu'on m'a dit sur lui, je comprends un petit peu, on va dire. Ah, déjà, Kickspress, bah, fait un petit peu quand même, alors. C'est vrai que, ouais, il vibre un petit peu, mais bon, après, voilà, c'est pas. C'est pas non plus. J'aime bien Coaster quand même, bah, avec son univers autour, quoi. Viens, on va aller par là, Anthony. Ah, okay. Bah, je crois qu'il faut aller par là, je suis pas sûr. Ouais. On va aller par là-bas, on va aller voir. Non, on va passer par là-bas, je sais plus. Ici je me perds. Puis là, vous avez toujours des indications des mails. Hein. Où est-ce qu'ils sont situés, ça c'est bien. Ah oui, il y a les bouées aussi là. Ah ouf, les bouées. Bon, on les fera peut-être, mais. Voilà. Bon, allez, on se retrouve devant Goliath. Aussi, El Condor. Allons-y. Bon, on a une chose à dire. Anthony, Anto. Niveau dispatch ici depuis tout à l'heure là. Ouais, c'est vrai que sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, hein. Franchement, c'est. Le speed up zone, il a été un dispatch parfait là aussi. On dirait qu'il manque une nacelle là. Ouais, c'est vrai, à chaque fois ça donne des TP sur la celle-ci. Ouais. Ah ouais, c'était assez rapide sur les dispatchs ici, tant mieux. Tant mieux, c'est bien. Bon allez, maintenant on va aller faire ceci, puis on va en reprendre juste un peu si on a encore envie. Ouais. Parce que bon, on sait pas si on va rester en vie. Hein. Les gens viennent de faire cette merde. Cette merde ambulante là. C'est horrible. Ah, j'ai peur. Anthony, quand je vois ça, j'ai peur. C'est quand je vois ta gueule, j'ai peur aussi. En vrai, on peut le décrire ça en un mot. Bah de la merde. Non. Hein? Un seul mot. Aïe. Ouais, voilà, ouais. Aïe. Ce truc, même avec les nouveaux trains, bah c'est quand même de la merde. Arrive, ouais. La première drop, elle nous a fait mal au crâne. Parce que ouais, franchement, même j'ai m'étais serré ma tête au fond au dossier pour pas bouger. J'ai encore volé en avant. Limite, on préfère le vampire à celui-là. Ah, le vampire, c'est largement vrai mal par rapport à lui. Bah oui. Bon, on nous reste en coaster Goliath. Ouais, c'est le dernier qui nous reste à faire. Et après, on aura fait tous les coasters qui vont au coaster du parc. En quasiment une matinée, il doit être quoi, 13h, même pas, moins de 13h. Attends, il est actuellement 12h30. Ouais. C'est bien, hein. 12h31 exactement. 12h31, alors. Bon, on va essayer de trouver Goliath. Goliath apparemment s'affichait par là. On va faire le tour. Ah ouais, faut faire le tour comme ça. Ok. Bon, on va faire Goliath maintenant. Après la. La terreur, voilà la douceur. Ouais. Putain, ça arrive. Je deviens poète. Et de la terreur, on aura encore. Oui. Et de la différence. Oui, différent. Allez, allons-y. Bon, les amis, on a un petit peu craqué là. Ouais, on était venu ici pour faire Goliath. Goliath, on s'est arrêté par un. Fait Goliath, du coup. On s'est arrêté sur un shop d'Halloween, on a pris un t-shirt Halloween Fragment. T'es beau en plus, c'est pas mal. Ouais, hein. J'aime bien, ouais. Oui, en rouge parce que ça ressort mieux et lui en blanc. Et moi en blanc, voilà. Et là maintenant, bah, direction vraiment Goliath cette fois-ci. Puis tout à l'heure, ouais, on va aussi, ouais. Et on va aller le faire. Il y a quoi? Il y a 20 de minutes apparemment. Ça reste quoi avec la file d'attente? Puis on aura fait tous les coasters du parc. Hein. Ouais. Plutôt, c'est bien, on aurait plutôt bien à gérer. Ouais, bah, petite matinée, voilà. Quoi. Petite matinée, là après on va manger tranquillou. On va faire quelques flats. Et après on va attaquer les maïs après, tout doucement. Allez, direction
Goliath. Qui a une belle station. Ouais. Une belle station. Allez, on va peut-être pas rentrer par la sortie. L'entrée est derrière. Il y a personne. Ah non, j'ai rien dit en fait. Ouais, ça va encore. Ouais. Allez, c'est parti. Ah bah vous allez voir le train passer juste là. Anthony qui prend des photos. Ça fait plaisir. Voilà, c'est bon. Bon, ce petit Goliath là. Ouais, il était bon. Il est bon en vrai. Il est bon. Et surtout les premières laser time. Oh, on s'est envolé, j'ai rien compris. En fait, je lui attendais pas quoi. Je crois que je lui attendais peut-être mon laser time qu'on avait. Bah, même là, dans la première boss, un bon air time ouais, flottant. Ouais, c'est... Ouais. Il est bien et puis il vibre après, pas. Après, t'as deux petites Zélix là qui sont vraiment. La première, la grande, le grand virage. Ouais, elle est énorme celle-là. À ouais. Pleine vitesse là, c'est. Tu ressens bien la vitesse quand même. Ouais. Même dans le dernier virage là, ouais. C'est génial, c'est génial. Ouais, franchement, j'adore. Bon, maintenant on va se poser manger. Le parc, je valide, clairement. Ouais, ouais, bah c'est sympa comme parc, tu vois. Ouais, avec les coasters, il y a quand même pas mal de. Il n'y a pas énormément de coasters, mais c'est du bon quoi. Ouais. À part El Condor et. Oui, à part celui-là. Et Express, qui est un petit. Bon, Express, il se rattrape avec sa thématisation. Ouais, c'est vrai, ouais. Sa file d'attente qui est trop originale. C'est pas vraiment pour la sensation que j'ai kiffé, c'est vraiment. Le... C'est vraiment pour le. Le coaster, c'est son... Enfin, son histoire, on va le dire. Le launch, il est bien. Ouais. Par contre, quand tu sors du tunnel, ça éblouit les yeux. Ouais. C'est qu'un détail. Mais la. La thématisation globale est. C'est vrai que j'adore. Ouais. Putain, on devient de plus en plus critique. Explique mieux les choses comparées avant. Même moi qui a du mal au début, c'est en mode ouais, c'est bien. Après, on bégaye. Ouais, dans le temps, moi c'était comme ça, ouais. Voilà. C'était, ouais, c'est vrai, j'aime bien. Par ça, c'est tout ce que je disais, mais maintenant, voilà. C'est ça. Puis là, on va manger. On garde les sandwichs pour ce soir. Parce qu'après, ça va, on va s'équiper de micro-cravates tous les deux. Là, on met tout en route comme il faut, tous équipiers. Salut. Puis voilà. Allez. Il veut se faire maltraiter. Si vous êtes fan de BDSM, vous pouvez appeler Anthony. Non, mais il va se faire maltraiter. Ah, aussi. Quoi ah, non, faire quoi comme... Ah, je suis pas tout seul dans les mêmes. Ah, oui, on est à deux. Et c'est qui va devant la plupart du temps? Ah, en plus, c'est toi. Du coup, tu vas te faire maltraiter encore pire. Vous allez entendre les 50 nuances de cris. Ouais. Nouveau film, 50 nuances de cris. Ça peut être mal, hein. Ça peut être le début d'un mauvais film. Bon, on va arrêter, on s'égare un petit ça, peu là. Clair, ouais. Hein. Ah bah tiens, il y a une messe qui est là, c'est le final la route qui est là. On ira après parce que c'est... Bon allez, allons niaquer. Manger. Niaquer. Ce que je dis, j'ai de la merde. Bon les amis, on vient de manger, tranquillou. Franchement, je peux vous dire un truc, le prix à Walibi, il est clairement correct. Walibi Holland, précisément. Walibi Holland, ouais, pardon. On a payé moins de 10 euros pour moi et lui. Pour nous deux, ouais, juste avec une chacun deux frites et Mexicano, lui sauce mayo, moi ketchup. Bon, voilà, et ils sont généreux sur la sauce et sur les frites aussi. Hein. Ouais, oui, j'ai pas su finir. Ouais. C'est pas des petits pots de sauce de rien du tout. Ils mettent la sauce au-dessus des frites et on en a vraiment beaucoup. J'en ai attrapé le hockey, donc bon, je travaille la dalle. Hein, clairement, ça va. Je vais tenir. Ouais, regardez, on va vous montrer quelque chose ici. Viens, viens avec moi. Oh putain, maintenant j'ai le hockey. Là-bas, il y a le hockey de Maze, Bilo et Wong Turn. Ouais, ça va être. Ça va le faire. Moi je vais devoir reprendre le vlog parce que ça va. Je suis en train de décéder. Mais c'est pas de ma faute, j'ai trop mangé et je mangeais trop vite. Pas drôle, c'est quand même un peu. Et putain, donc, même la fast lane de In Time est remplie. Ouais. Là, il doit avoir 40 minutes ouais, facile. Donc,
Bon allez, on va se balader. On va aller faire des flats un petit peu. Ah bah ils sont là, Psychochoc et Psychochoc. Ah bah oui. Oh. C'est dans un bâtiment comme ça là. Nous on a le rip passé, oui on fait pas la queue. J'aurais dû dire un connard. Bon Anthony, je te propose de faire un petit dark ride. Un peu pour ceux qui connaissent la maison d'Houdini ou le palais du génie à la Walibi Belgium. Bon là c'est sur le thème de Merlin, bon. On va pas comprendre grand chose qu'on parle pas néerlandais. Mais voilà, c'est Merlin le château magique. Voilà, on va aller voir. Hein ? Ouais, bah ouais, toujours beau à découvrir. Voilà, genre, sympa à découvrir. Là, je cale comme un pied, désolé. Voilà. Et je suis toujours le hockey. Okay. En place, lance. C'est pas de ma faute, j'ai mangé trop vite. Donc bon. En tout cas, c'est très bon, mais les frites, elles étaient de votre qualité. Et il en revient pas, il a mangé des frites, il en revient plus, ça y est. Ah non, c'est de bonne qualité, faut dire quoi. Oui, oui, oui. Voilà. On dirait qu'il a chopé un trait comment je mange les frites, il y a des mecs. Mais il y a des endroits, voilà, c'est moyen quoi. Ils ont... Oui. Regardez-moi ce château. Hein. On sait pas comment, mais c'est de l'art. On a un beau petit angle ici de vue. Oula. Ma GoPro a failli tomber. On sort de Merlin. Bah franchement c'était plutôt joli, c'était sympa. Bon, il n'y avait pas le pré-show. Il n'y avait pas le pré-show à cause du Covid, bon c'est tout, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir devant des trucs qui sont animés, c'est... Et ils penchent plus que les autres aussi. On a l'impression qu'ils penchent plus que les autres. Bah alors Anthony, on se penche. Dis donc. Mais à un moment donné, au tout début, tu vois, je me demandais bloquer le bordel ou quoi. Il va se faire le truc ou quoi. Je suis pas vraiment posé la question quoi. C'est assez impressionnant, bon. Je te propose un petit top spin. C'était justement ce que je voulais faire. Eh ben on va aller faire un petit top spin. Un petit avant-goût et top spin fraîche. Ouais, j'aime bien les top spin moi aussi. Je viens de spoil qu'on allait peut-être aller à Rouen. Ouais. C'est même pas. Peut-être, c'est sûr. Ouais, bah je pense que quand on a une idée en tête, voilà quoi. Nous, quand on a une idée en tête, on essaie d'aller à la maximum. Benjamin, il est chaud aussi. Quoi. Benjamin, il est chaud, puis c'est à chaque fois qu'on dit qu'on doit aller à Rouen, L'an dernier, on en parlait et tout. On n'a pas été. C'est pas sur côté parce que là, ça va pas. Donc voilà. Et ben on parle de spin Us. Et là le Us. Hey, t'as plus le hockey. Hein? T'as plus le hockey. C'est vrai, j'ai plus le hockey. Parce que c'est le truc qui m'a. C'est le remède magique. Ouais. Bah tu sais quoi, si on va dans la file maintenant. Ouais. Bah je pense qu'on passe hein. Ouais. Moyen. Oh, tout dégueulasse, je vais te filmer ça. Bon allez, je coupe là, on va faire la petite spin et puis on vous dit ce que ça. On dit ce qu'on vous pense, ce qu'on en pense. C'est ça. Non, bon. On sort de Blast. Il est bien piloté. Ouais, franchement, ouais. Il est bien piloté. Ça fait du bien avoir un top spin. Oh, on enchaîne pas mal 2, 3, 3 ou 4, je sais plus. Ouais, mais c'est bien, ça enchaîne. Ouais, et ensuite, des fois, il te fait des petits passages où tu tournes tout doucement et il te laisse. Ouais, t'es dans. C'était drôle. C'est spécial et c'est bien. Oui, c'est marrant. Ouais. Voilà. Moi, j'ai venu. Peut-être qu'on fera peut-être un tour après, on sait pas. On verra bien si on a le temps, parce qu'après, on va enchaîner des mails. Alors, on verra un coup de mails. De toute façon, quand il est 15 ans, on fait au moins une maze. Je sais pas encore laquelle. Au moins une maze, tu vois. De toute façon, quand on fait une maze, on s'équipe de micro-cravate, la totale. Et c'est parti. La grande roue. Vous appelez ça la grande roue ici quand même. Hein. C'est ça qui est marrant. Et bien sûr, on va vous filmer les scare zone avec les acteurs. La totale, bien sûr. On est là pour ça, non? Aussi. Là pour l'instant c'est Spooky Day, c'est doucement. Hello. Hello. Dat is een leuk klein apparaatje. Ze hebben het nog niet gezien.
Rien que ça, je trouve ça drôle. J'aime bien. Ouais. Là, ils sont calmes, au sort, ils seront vénères. Hein. Bon, on va faire un tour de bûche là. Ouais. Avec Anthony qui va aller tout devant. Ouais, pour mon plaisir. Hein, tu vas prendre tarif. Hein. T'aimes bien prendre j'espère tarif. Pas prendre tarif quand même. Voilà. Moi, j'espère grandement qu'il va prendre cher là, parce que depuis tout à l'heure, il me saoule. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je te souviens à quoi toi? Ah, rien, non, mais en vrai, on est calme depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, ouais. En fait, on se dit qu'après, on va chier dessus, on reste calme. C'est pour ça, ouais. Ouais, ouais, c'est en fait. Ça, ouais. Non, mais en vrai, je vais pas vous mentir, les gens, pour les nous j'ai peur. J'avoue, j'ai peur. Je l'avoue, clairement, j'ai peur. C'est peut-être pour ça, mine de rien, tu vois, je la ressens pas la peur, mais c'est peut-être pour ça que je suis calme aussi, mine de rien. Ouais. Bon, on verra bien, de toute façon. C'est vrai qu'au plus ça avance, au plus. Voilà quoi. Ouais, j'ai mon cœur qui. Je vais faire caca culotte. J'ai oublié Pampère, ce chien. Bon, allez, je coupe là, parce que vraiment, je peux pas faire d'un ride, j'ai pas le droit. C'est tout, on respecte, hein, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Ouf! Ah oui, quand même. Ouais, ça fait ça, après arriver là, c'est arrivé en fait. Ouais, après, bon, au début, je suis à dispatch assez vite. Quoi. Ouais. Oh, il y a un train qui fait le tour du parc, c'est vrai, j'ai oublié ça. Bah, tout à l'heure, il y a des rails. Donc... Chouchou le petit train. Chouchou le petit train, je dors les mots. Chouchou le petit train. Moi, c'est pas que... Il me fait flipper lui à chaque fois. Hein. Faut arrêter de me faire des frères comme ça. Je suis pas prêt moi. Je suis pas prêt à souffrir. Bon allez, je coupe là. Ah, écoute, j'aime bien moi. Hein. Sur le thème des pirates, j'adore ça, alors forcément j'aime bien. Là on vient de faire les bûches, c'est à côté. On a eu un arrêt technique en plein lift. Ouais. Voilà. C'est bon. Bon, ça a duré quoi, une minute? Ça a duré même pas, 5 minutes alors. Ouais. C'est... Une ou deux minutes. Il y avait un emboutillage de bateau. Je suis arrivé. Bon. Tu sens le stress qui monte? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi. On va faire une maille, ça nous met en condition et on va pouvoir faire les autres, on va tellement flipper. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, bah je sais plus quoi dire, hein. C'est quoi, je coupe là parce que là, je dis n'importe quoi là. Ça... Je suis en train de bégayer, si je bégaye, ça veut dire que c'est pas bon. C'est quand même va vraiment se chier dessus. C'est clair. Ouais. Un petit peu pour voir.
J'ai pas à m'approcher, vas-y, je vais m'approcher. Tiens, prends ça. Baissez-toi, 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 le capteur. Le capteur. Salut, je vais aller voir. C'est normal que je vais prendre un pochette. Laissez-le. Moi je veux qu'il fasse un saut, moi. Oui. Ça qui a trouvé une cible. What the fuck? What the fuck? Ça entend dans la jungle, bon, je sais pas en fait. C'est un nom chelou. Voilà. Il y a quelqu'un qui te ramasse son cabot. C'est de nuit, ça peut être la même ambiance. Hein. Ouais, bah, c'était... Là, on est le jour. Le jour, c'est calme, mais la nuit, c'est autre chose, apparemment. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, on va rentrer dans l'autre scare zone maintenant.
je sais pas si ça s'appelle Villains, je sais pas s'il y a des acteurs là. Peut-être. Ou peut-être que ce sera là après. Il y a d'abord. Non, ça va venir après ça, à mon avis, de nuit, je pense. Attends, une seconde. On viendra de nuit ici. Bon, ça y est, on a mis l'équipement. Enfin, l'équipement. Ouais. Moi, il est là, lui, il est ici et là. Il est toujours bien mis. Ouais, ouais, il est toujours bien mis. Okay. Pour les petites maisons hantées, petites. Ouais. Pour les mazes. Au moins, capter notre voix. Et vous allez bien vous marrer comme ça. Allez. On commence à stresser là. Oui. Non, on commence pas, on est déjà bien stressé en fait. Oui. 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 J'ai encore envie de chier. Non, je rigole. Là, il y a un zone qui sera là, mais qui sera plus actif après, parce que là, il y a 2-3 personnes. Ah non, il n'y a plus 2-3 personnes là. Ah si, il y a 2-3 personnes du coup, en dépôt. Bon, on va commencer par une première maze qui s'appelle The Villa. T'es prêt ou pas? Bah, on n'a pas joué, d'être prêt. Bah allez, ouais. C'est parti. Hello. Hello. You are coming to see our director today? Ah, you don't understand English. Just me. C'est dommage. Ah ouais. Vous parlez un peu français. T'as préparé quelque chose? Pardon? T'as préparé quelque chose pour ça? En talent, quelque chose? Vas-y, 3, 2, 1. J'ai pas de talent. Bah, rien. Je sais pas non plus. Pas de talent, pas de chance. Ah. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On filme un film ici. Ah. Peut-être qu'on peut trouver. Petite rôle. Un petit rôle. Vous voulez ou pas? Pourquoi pas? Ouais. Alors on y va, vas-y! Bonne chance. Bah vite, vite, vite! Goed zo. Goed zo. Ja, ik kom verder. Je sais pas où je vais aller. Anthony, t'es où? Ah! Putain! Oh putain, c'est horrible! Putain, je l'ai pas prêt. C'est horrible! Oh, non mais... Ah merde! Ah mais ça j'ai peur ça! C'est horrible! C'est horrible! Là je sais pas! Je sais pas! Oh mec! Ouais! T'es cadré tout ça, j'ai pas joué. Ça fait peur! Oh!
Il arrive avec, avec son bras derrière. Oh merde! J'en vois de merde! Bon, on vient de faire Villa. J'espère que vous avez apprécié nos cris. Parce que moi, franchement, j'ai... c'est que la première. Hein. Ouais. Il y en a encore 7? C'est déjà bien quoi. Je t'avais dit. Franchement, les décors sont beaux. Ouais, bah oui. C'est bien décoré. Et. Qu'est-ce que ça, ça se perd des Américains. Les escarboutons, les trucs bien. Il m'a flippant et tout ça. Elle Freddy quand il est arrivé dans ma gueule. Ouais lui. Oh, ouais, ouais. Oh il m'a fait flipper de ouf. Ouais bah grave. J'ai ouais. Bah j'avais envie de faire pipi, là j'ai plus envie de faire pipi maintenant. Ouais. Alors, non, tu mais veux là... dire ce qui se passe à droite et ça vient à la gauche donc. C'est ça, ça vient de partout c'est... en fait. Tu sais pas où regarder en fait. Tu ne sais pas où regarder. Mais vraiment pas. Et c'est ça qui est vachement cool. Et par contre ouais. Même lui il a dû crier. Ouais. Putain t'avances tranquille dans la petite cuisine, t'as le truc à gauche quoi. Ouais. En plus, il fait un gros bruit au bien vénère avec un strobe en même ouais, temps c'est et vrai, tout. C'est génial. Ah, moi, je. Mais ce bruit-là, il fait flipper en plus. Ouais, ah ouais. Mais dis-toi que c'est pas fini parce que, genre de choses, c'est un truc qui me fait flipper, tu vois. Ouais. Et. Il y a encore 3 mails en coupe-fil. Et après, c'est des mails en fil normal avec des tranches horaires, tu vois. À respecter. J'espère qu'ils seront respectés d'ailleurs, tu vois. Parce que sinon, ça va être un peu le bazar. Allez, je coupe là. Et je pense que. Ouais, je pense que la messe nous a chamboulé là. Ouais. On s'attendait pas à un niveau aussi élevé. C'est clair que là, ouais. Pourtant, c'est la première. Imagine les autres qui sont étaient 5 sur 5. Oh putain, ouais. Mais elle était à combien sur 5 celle-là? Je crois qu'il était à 3 ou 4. Ah ouais, ouais. Ouais. Bon, on va aller voir Fire Pit ce qu'il y a. Des bébules. Pardon. C'est stylé hein, mais j'aime pas ça hein. J'aime pas Anthony hein. Non je me sens pas bien, je n'aime pas ça. Non, il y a quelqu'un là. Venez, je t'ai vu. Ah. Oh putain. L'asile c'est le truc que j'ai horreur. Oh putain c'est dark. Ouais bah tu vois je sens tête. Oh. Ah mais vas-y, laisse-moi tranquille toi. Wow.